Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Prière pour les couples en difficulté. Sainte Rita, vous avez beaucoup souffert du caractère violent, brutal de votre mari, mais vous lui êtes restée fidèle, attentionnée, douce, patiente, aimable. Vous avez tellement prié pour lui qu'il s'est repenti, corrigé et devenu bon époux et bon père. Sainte Rita, veillez sur les couples en difficulté. Obtenez aux époux la force, le courage pour vivre ensemble dans la paix, l'amour et la fidélité. Sainte Rita, sainte des causes désespérées, des causes impossibles, j'ai confiance en votre puissante intercession auprès du Seigneur. Obtenez-moi de Dieu cette espérance confiante qui ne trompe pas et le désir ardent des biens immortels. Et je vous prie instamment de m'obtenir aussi la grâce de réconcilier mon couple en difficulté. Sainte Rita, priez pour nous. Amen. Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme.